Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est comment? Je vous avais promis cette vidéo là. J'ai envie de discuter, pour ne pas dire, adresser quelques petits mots à DJ Arafat et aussi à sa Chine, voilà, et aussi à sa Chine. C'est un message global, voilà, je vais m'adresser à DJ Arafat et sa Chine. Ok, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, je réagis à quoi? Je réagis à son dernier entretien qu'il a fait avec Ramzi Ourasson dans l'émission Farfa. On lui demandait comme ça que depuis les incidents autour du concert qu'il devait faire avec son ami Debordo Likoufa, et comme quoi il répond, et il est soi-disant dans le futur et il laisse les déchets entre les déchets, voilà, qui n'a pas un comportement de psychopathe. Ok, c'est cool, il n'y a pas de problème. Bref, moi je serai cru et direct. Vous connaissez bien Eritor, c'est pas maintenant. Voilà. Si on parle de réconciliation, c'est à cause de l'éducation que nous avons reçue. Voilà, c'est à cause du vécu qu'on a eu aussi. Et puis c'est à cause de certaines expériences. Mais quand je vois une personnalité publique comme DJ Arafat, très hypocrite d'ailleurs, je me permets de le dire parce que j'ai suivi toute l'interview et il m'a beaucoup choqué. En fait, je reconnais que Monatis a une grosse part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Mais DJ Arafat, tu n'es pas blanc comme neige, je suis désolé. Tu n'es vraiment pas blanc comme neige. Comme tu as une populace qui est très bonnée à ta guise, je ne parle pas de tous les fans de DJ Arafat. Voilà, parce que moi, il parle français, il ne parle pas de notre ethnie. Voilà, comme c'est les Français qui nous ont colonisés, c'est en français que j'ai l'esprit. Donc écoutez bien mes paroles. Oui, et je répète encore, je dis, comme tu as une populace très bonnée qui est à ta guise, tu te permets de faire croire ce qui n'est pas. Si moi, tout ce temps, je suis resté là à parler de réconciliation, de dire aux fans des Debordo de se calmer, de ne pas te détester, c'est parce que je ne suis pas le mec qui déteste pour détester, quoi. Voilà, je n'ai pas ce fort-là en moi. Mais quand je vois quelqu'un qui dit, je me rappelle, il s'est réconcilié avec son frère, comme ci, comme ça. Ben, ce qui est désolant dans cette histoire, c'est qu'il y a pire que ce conseil-là. Voilà, mais tu as fini par te réconcilier avec ce dernier que tu traites de déchets aujourd'hui. C'est pathétique, hein? Voilà. Je ne sais pas si tu as lu tous les commentaires en bas de la vidéo, mais ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec tes propos, hein? Beaucoup ont été choqués, et moi-même d'ailleurs. Je suis resté là dans le moment des silences, c'est pas parce que j'avais pas envie de réagir, mais je réfléchis en fait. Je me demande, le monde il marche comment? Il marche avec beaucoup d'hypocrisie et on fait ce que bon nous semble. Il marche avec beaucoup de concessions, c'est-à-dire, même si celui qui est en face de toi est très idiot et très bête, soit tu réagis comme lui, ou mais soit tu l'ignores. Mais j'ai remarqué que dans ce monde, c'est la bêtise qui prime en fait, c'est la bêtise qui prime. Voilà, en fait ce que je l'aimerais signer, c'est que Eritor est l'un des youtubeurs que personne n'influence. Mes vidéos que je fais là, si vous voulez, c'est le reflet de mon éducation que j'ai reçue là, que j'essaie de transposer ici. Ah, vous comprenez un peu. C'est pas parce que il y a quelqu'un qui m'intimide ou y a... non. Ceux qui étaient là depuis le 31 mars 2017 savent qui est Eritor. Ils savent si c'est 2017 ou 2018, je ne me rappelle pas trop bien. Je pense bien que c'est le 31 mars 2018. Oui, 31 mars 2018. Où DJ Arafat a voulu boycotter le concert de son ami déchet aujourd'hui, Debordo Likoufa, avec des passes dérisoires. Malgré tout ça, lorsque notre artiste est venu nous parler de la réconciliation, beaucoup n'étaient pas d'accord. Mais moi, comme je suis artisan de paix, et puis je me dis, quel que soit le mal qu'on te fait, il faut aller de l'avant. On a accepté et j'ai passé toutes mes journées à te défendre, sur tous les plans. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un problème d'argent entre toi et Debordo Likoufa, tu oses toi dire à la face de traiter des déchets. Tu sais ce qu'on appelle le déchet? Tu sais ce qu'on appelle? Tu connais la définition du mot déchet? Si on veut prendre la définition du mot déchet dans son fond là, je pense que tu en as un exemple. Voilà. Parce que un artiste ne fait pas toutes les phrases que tu as fait dans ta vie là. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est comparable à un déchet en fait.
Moi, je vous ai dit que je serais très cru dans cette vidéo. Et puis, ça va continuer comme ça. Il n'y a personne. Honnêtement, je sais ce que je sais ce que je vaux. Je sais où je peux aller. Et puis, je sais ce que je peux faire, en fait. Il n'y a personne. Je respecte beaucoup. Mais quand tu commences à dépasser les bornes, je t'interpelle pour dire que tu as dépassé les bornes. Des bornes ne peuvent pas être un déchet. Quand tu penses que tu es dans le futur, honnêtement, je vais te dire une vérité, hein. Tu es nullement dans le futur. Parce qu'à la limite, je pense que c'est une malédiction sur toi. Parce que je ne comprends pas un artiste qui a aussi la grande gueule, qui n'a aucune réalisation. Il est là dans le superflu, il fait croire ce qui n'existe pas. Et puis, il va se permettre de traiter un ami à cause d'une histoire d'argent de déchets. Bon, c'est quoi? C'est la boue qui te passe par la tête ou bien c'est quoi? Tu penses que tu es le centre du monde. Tu n'es pas éternel, tu n'es pas immortel. À la limite, tu n'es rien. Tu as juste eu de la chance. Où il y a une étoile que Dieu a permis de faire briller sur ta tête, qui t'a amené là où tu es. Et Marie, ta position, qu'est-ce que tu es? Tu as juste le nom. Rien de plus que ça. Il faut souvent réfléchir avec sa cervelle avant de sortir des bêtises. Parce que là, tu as choqué plus d'un. Le mec, il est resté dans son coin. Après l'avoir malmené, il est resté dans son coin. Et Marie, qu'il est resté dans son coin, moi, irritant, je passais tout mon temps à parler de conciliation et d'union. Mais comme monsieur est trop arrivé, soi-disant c'est lui le président de la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas de quoi, de la Chine, il va se permettre d'injurier les gens. Je vous avais dit ici que n'importe quel artiste, celui qui va se permettre d'envoyer des propos désobligeants envers des Bordeaux Likoufa, je me permettrai de lui répondre. Et c'est ce que je commence. Faut pas se foutre des gens. Faut pas se foutre des gens. Voilà. Je pense que c'est mal éduqué. C'est vraiment mal poli de venir là comme ça devant des milliers de personnes et de traiter son ami, d'alors avec qui on a fait une réconciliation des déchets. Parce que comme quoi, on n'a pas pu faire un concert avec lui, certaines choses sont mal passées. Tu penses que tu as tout raison dans l'histoire? Non! Tu as nullement raison. Tu as nullement raison. Tu as nullement raison. Ta seule force, c'est que parmi tes fans, tu en as de bordé. À la limite, on va dire de gamé. C'est-à-dire ceux qui ne réfléchissent pas. Que tu aies chié dans la bouche de leur mère, que tu aies chié dans le visage de leur papa, ils vont venir toujours te défendre. C'est ce genre de fans que tu as qui te font croire que tout va bien de ton côté en fait. Sinon, au fond d'eux, ils savent que tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas du tout un exemple. Tu parles de ta Chine qui t'a soutenu à ton concert du 29 décembre. Tu penses que ce sont les Chinois seulement qui étaient là-bas? Tu penses que ce sont les Chinois seulement? Moi, perso. J'ai stimulé 200 personnes à aller à ton concert. Enlève 200 personnes dans 20 000 fans ou bien dans 10 000 fans, tu vas voir ce qui reste. Tu vas voir s'il reste toujours 20 000 fans. Tu penses que tu es le centre du monde, tu te permets de dire des bêtises juste pour que le mec il réagisse. Il dit, en fait, faut arrêter. Hein. Ton démon là, tu connais pas. Ton démon, tu connais pas. Faut te calmer. Il faut te calmer. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un simple humain dans lequel le sang coule dans ses veines, c'est tout. Tu n'es pas plus que ça. Tes petits frères, tes enfants qui ont commencé hier. Toi, tu cherches à vendre Medgis, mais c'est Medgis qui va te produire aujourd'hui. Tu ne te poses pas de questions et tu crois que tu es dans le futur. Tu connais pas la, la définition du mot renaissance, sinon tu ne serais pas en train de réagir comme ça. C'est désolant. Ceux qui sont réfléchis vont savoir que je suis en train de dire, là, c'est la vérité. Tu n'es pas un exemple, dit Jarafat. C'est parce que, mine de rien, dans le cadre musical, tu as fait beaucoup. Moi, c'est ce que je regarde, je me dis, bon, le mec, c'est un foutais de merde, mais il bosse. Donc, il ne mérite pas que cet acharnement-là sur lui. Mais il ne va pas croire que tu es le centre du monde ou te prendre pour les fesses du pape, désolé. C'est des bonnes que ton déchet aujourd'hui. Tu dis le temps de déchet aujourd'hui, et puis demain, il aura une pseudo-réconciliation. Tu avais dit, mettre tes dents dehors. Quelle grosse hypocrisie. Quelle grosse hypocrisie. Il faut changer, hein. Il faut changer. Moi, je répète pour dire, je m'appelle Héritor. Stéphane a eu un état civil, tu n'es rien du tout. Voyez ce que je sais sur toi. Depuis Paris jusqu'à Abidjan ici, là, tu ne peux pas imaginer. Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas quelqu'un qui aime nuire aux gens. Si je commence à dévoiler tout ce que je connais sur toi, Didier Arafat. Bon, c'est vrai que tu auras toujours certains fans à ta guise, mais ah, ça va vraiment te porter préjudice. Hein. Tu as foutu les plus grosses merdes du showbiz ivoirien. Bon, on t'a pardonné et tu es encore avec nous.
Pour un simple conseil que tu n'as pas pu faire avec ton ami, tu as venu le traiter publiquement ici de déchet. Le déchet de la musique ivoirienne, c'est toi, DJ Arafat. Il te dit ça aujourd'hui. Le gros déchet de la musique ivoirienne, c'est toi. Assieds-toi, comme quoi tu as sagi. Dieu merci. Assieds-toi et puis regarde ton passé. Tu n'es même pas un exemple. Tu es un mec qui a juste de la chance. Sinon, parmi toutes tes phrases que tu as fait dans ce showbiz ivoirien-là, dans d'autres pays, en Occident, aux États-Unis, avec un seul qui est mort en partie de DJ Arafat, ta carrière est ternie. Ta carrière là n'existe plus. Il faut arrêter. Faut avoir un brin d'humilité en toi. Tu es très jaloux, très hypocrite. Et puis, tu déçois en fait. Tu es là à malmener les gens. Ils sont là aussi, ils te suivent, ils comprennent pas. Tu m'as vraiment déçu dans cette interview-là. Hein. Tu m'as vraiment déçu dans cette interview-là. Tu penses que tu es le centre du monde. Tu penses que tu es le centre du monde. Quelqu'un qui passe toute sa vie à acheter des voitures, qui ne pense même pas à se réaliser lui-même, avec tes nombreux enfants que tu as là. Si tu savais le nombre de personnes qui conspirent à ta perte, je pense que tu allais te ressaisir. Tu parles de Dieu, Dieu, Dieu. S'il y avait vraiment Dieu dans ta vie, si tu reconnaissais vraiment l'existence de Dieu dans ta vie là, tu ne serais pas en train de sortir tous ces propos que tu viens de sortir chez ton ami là. Tu vas parler des déchets. Quand je finirai ma vidéo, quand tu finiras de lire cette vidéo là, va prendre ton dictionnaire si tu en as un, et puis lis la définition du mot déchet, puis regarde ta propre vie. Debordo, ce n'est pas un déchet. Debordo a juste un défaut. Il est très euphorique. Il est 10 millions de fois meilleur que toi, sur tous les plans. Mais comme aussi lui-même, il est très mal organisé. Et lui, quand j'imagine que cet artiste de Debordo là est venu nous insulter à cause de toi, DJ Arafat, et toi, tu as venu l'ouvrir aujourd'hui pour le traiter de trucs de déchets, ça me fait trop mal. C'est lui-même qui a cherché ça en fait. Mais on est dedans. On est dedans. C'est Debordo qui est ton déchet aujourd'hui, non? Il y a feuille. Il y a feuille. Mais c'est ce qu'il y avait à te dire. Et puis vous qui le soutenez dans tout là, continuez à le soutenir. Mais demain, nous dira. Voilà. En tout cas, Debordo, nous on est toujours avec toi. Voilà, on est toujours avec toi. Merci encore, c'est ce que j'avais à dire.